Les CC 6500 figurent sans aucun doute parmi les plus belles machines de la SNCF. Avec leurs 6000 kW, ou 8000 chevaux pour les anciens, elles ont remorqué jusqu'à 200 km/h les trains les plus prestigieux, comme le Mistral et le Capitole, pendant près de 30 ans. Aujourd'hui, la 6523, comme ses sœurs, est affectée au trafic fret. En dépit de ses 8 millions de kilomètres au compteur, sa puissance et son adhérence lui autorisent pratiquement tous les trains, même dans les conditions les plus difficiles. Dans la cabine, on trouve le pupitre standard des années 60-70. À gauche, en haut, le boîtier du KVB. Et à côté, l'écran des signalisations lumineuses. Au-dessous, les trois manomètres du circuit de frein surplombent les commandes de freinage. Le frein direct, le frein d'urgence et le petit levier du frein automatique. Au milieu du pupitre trône le traditionnel volant manipulateur de traction. Traction vers la gauche et freinage rhéostatique vers la droite. Juste au-dessus, les 5 voltmètres et ampèremètres du courant de traction et des batteries. Sur la droite du pupitre, on trouve l'indicateur d'écran de traction à côté de l'indicateur de vitesse, le tachro, puis le bloc radio sol train. Sous le volant de traction se trouve l'inverseur de marche et le levier de commande des couplages et des crans de chantage. À droite, le bouton d'acquittement, l'avertisseur et la commande des pantos. La 6523 est en charge du train numéro 75624 au départ de Foscosul et à destination de Dijon. Un train de produits pétroliers composé de 29 wagons à bogie, d'une longueur de 438 mètres et d'un poids total de 2369 tonnes. Les essais de frein sont faits. Notre mécano, Éric Détivaux, s'installe aux commandes et c'est le départ. Le démarrage d'un train lourd demande du savoir-faire. Il faut bien doser l'effort de traction pour éviter le patinage et ne pas dépasser l'intensité de 1000 ampères par demi-moteur, soit 4000 ampères au total pour les deux moteurs doubles de la CC. C'est Patrick Mourier, cadre traction, qui nous accompagne. Nous sortons de l'embranchement particulier de la raffinerie. À droite, le petit locotracteur qui a formé notre rame.
nous allons remonter vers Avignon par la ligne de Cavaillon, puis emprunter la ligne de la rive droite du Rhône jusqu'à Lyon, gare de Perrache-Marchandises. Mais le train va continuer, toujours avec la 6523 et un nouveau conducteur, jusqu'à Dijon, sa destination finale.